Et donc aujourd'hui, on est le 11 juillet 2021. Okay. Et on est dans la zone de Saluzzo, et juste à quelques kilomètres du Pô, du fleuve Pô. Okay. Donc du côté, si je regarde dans la direction du Pô, okay, du côté gauche, le maïs est intact. Du côté droit, ok, voilà la situation donc des maïs. Il y a deux jours, il y a eu 10 minutes de grain qui a ravagé tout presque. Okay. Donc vous voyez comment sont les feuilles ici. Vraiment tout abîmé. Voilà. Bon, on espère évidemment que les paysans, les gens qui s'occupent de la plantation, qui vivent de ces plantations, et une aide, un remboursement, quelque chose comme ça. Okay. Bon, les agriculteurs quand même mènent une vie difficile, et alors que ce sont eux qui nous nourrissent, ce sont eux qui nous font vivre pratiquement. Okay. Donc il suffit de 10 minutes de grève. Okay. Le problème, ce n'est pas aussi facile de se protéger contre les phénomènes naturels comme ça. Mais bon, voilà. Donc, je tenais à faire une photo et capter ce moment de l'histoire triste, okay, qui a touché les agriculteurs. Voilà. Salut à tous. À tantôt, à bientôt.